Salut les venez, de retour sur Dungeons 3. Donc on a eu Talia, on a réussi à convertir Talia pour vaincre le mal. Non, pour devenir le mal, je sais plus. Non, oui, on est le mal, on en a réussi à charmer son cœur d'elfe noir pour qu'elle redevienne maléfique. Et contrairement à ce que son père veut. Du coup, il y a eu quoi? Il y a eu. D'abord, on s'est baladé en tant qu'ombre. Ensuite, la mission 2, on a contrôlé un donjon. Et j'espère qu'il y aura plus de donjons, parce que c'est quand même pour ça que je joue au jeu. Et donc, à la fin, Grimlin nous a retrouvés avec une armée trop imposante et Talia s'est échappée. Voilà pour le résumé de l'histoire. Maintenant, la suite. Les pierres de GN. Après avoir quitté les ruines de Twistram, Talia se mit en route vers les pierres de GN. C'était des sortes de sceaux qui emprisonnaient les démons en enfer, là où Thanos en personne les avait exilés. L'elfe allait détruire l'œuvre de son prétendu père. Ouais. RIP. Oui, j'ai dit que j'essayais le mode infernal parce que c'était un peu facile quand même. Donc on va voir. Bon, je parle pas des missions secondaires, mais la mission principale était facile. Je peux changer le nom des créatures. Mais pour cela, faudrait avoir des gens qui parlent en chat. Précipité. Talia se trouvait à une distance de quelques kilomètres, ou miles, ou yards, ou jets de pierre, enfin l'unité de distance débile que vous utilisez, quoi. Elle avait réussi à échapper aux forces de Grimli au prix du sacrifice d'une ou deux créatures maléfiques. Mais bon, à la guerre comme à la guerre. Le mal, qui n'était pas un demi-crétin, avait conduit Talia ici avec une idée en tête. Les anciennes pierres de GN se trouvaient à proximité. Thanos avait autrefois banni des sbires démoniaques en enfer et utilisé ses anciennes reliques magiques pour verrouiller la sortie. Malheureusement, on ne savait pas trop comment briser ces sceaux. J'étais là le jour où Thanos a banni les démons et scellé les pierres. Je peux ouvrir. Mais le faut-il vraiment? Ces créatures ravagent les terres et terrorisent les gens. Oh, la ferme, gentille Talia! Alors comme ça, tu sais ouvrir les sceaux. Génial! Le mal n'est donc pas un demeuré et nous avons un vrai plan devant nous. Il suffit que j'accède aux sceaux et je pourrai les ouvrir. Mais j'ai besoin de protection contre les gardes élémentaires pendant ce temps. Soit. En dépit de la méfiance que j'éprouve pour les gardes des sceaux, accompagnez Talia et défendez-la. Tout d'abord, ce serait une excellente idée de construire un puissant donjon pour se préparer à affronter tous les héros de la région. Ouais, c'est ce que je suis en train de vouloir faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la trésorerie qui est débloquée, on a un atelier, les ateliers ça fait des boîtes. Je vais pas lire tous les textes à haute voix parce qu'il y en a beaucoup. Alors oui, les dindons ils sont déjà prêts, par contre... On a la cachette de base, mais ni les dégâts qu'on avait, ni tout le reste. Donc là, on a l'air d'avoir des pièges. Là, c'est quoi le vortex? Ah, il est déjà débloqué. Chacun de vos démons. Un portail est construit dans le vortex pour chacun de vos démons. Quand un démon meurt, il retourne à son portail, il revient lentement à la vie en utilisant du maître. D'accord. Donc ça va être pour plus tard. Ce qu'il me faut là, c'est une cachette. Non, une cachette. Une ferme de dindons. Voilà, que je les sélectionne, je les monte dans le bon sens. Et pour le moment, je peux pas faire beaucoup de recherches. Contrairement à la partie précédente. Donc on va faire les dindons par ici. C'est peut-être un peu grand, mais c'est pas grave. On fait les dindons par ici.
marrant parce que dès que t'avances, t'as toujours... Ah, mais il y a un peu plus d'or là, caché. Puis c'est toujours pile poil hors de portée, quoi. Enfin, avec la vision sur du hors de portée. Alors, salle. Oui, la salle d'atelier. Salle d'atelier, on verra après. Pourquoi j'ai pas de... Ah non, d'accord, c'est que je l'ai pas encore fait. D'accord. Faut que je les refasse. Ces recherches. Je l'avais pas compris. Je croyais que si j'avais le... Si elles étaient déjà... s'il y avait déjà le lien doré... C'était de répugnants bastions près du donjon. Forcément, on avait envie d'en faire des îles de malfaisance, surtout depuis que la malfaisance pouvait être utilisée pour de nouvelles technologies. Mais que fait cet endroit insupportable juste devant mon donjon? Répugnant! En avant, créature! Détruisez cette horreur! Es-tu sûre de vouloir faire ça, Talia? Tu ne veux pas t'asseoir, qu'on prenne le temps d'en parler? Tu es encore là? Tu ne vois pas que je suis occupée à détruire tout ce qu'il y a de bon dans les parages? Je n'ai pas le temps pour les dissociations de personnalité. Non seulement tu te bats contre toi-même, mais en plus tu perds. Alors, ici, ça m'a l'air d'être... Enfin, je sais pas. On verra... Qu'est-ce qu'il y a... Si ça devient loin... ça. Allez, tu te bouges. Faut se bouger un peu là, vous êtes lent. Voilà. Là, cachette. Voilà. Ensuite. Jour de paix. Il se passe quelque chose de bizarre dans le coin. Mince. C'est à cause de cette flèche dans le genou. Attention, les gars! La présence de Talia et de l'armée du mal avait été découverte. Et de méprisables héros étaient déjà en marche vers le donjon. C'est là, bien sûr, que nous les accueillerons selon leur mérite. Allez! Ramasse une stagiaire, au boulot! Pourquoi es-tu toujours si agressive? Tu pourrais peut-être consulter un psychiatre et ne m'oblige pas à me frapper moi-même. Ah, oui. Notre protagoniste s'adonnait de nouveau à une de ses disputes avec elle-même. Et pendant ce temps, les héros se multipliaient à la surface. Oui, est-ce que je peux en recruter du coup maintenant que j'ai une cachette? Des ennemis se trouvent dans votre donjon. J'allais dire il faut les nagas, mais les nagas il faut... de la malfaisance que je n'ai pas. Il faut que j'acquière un peu de malfaisance. Il était maintenant possible de construire un vortex. Cette salle très utile permettait de créer un accès direct avec l'enfer afin d'engager des démons généralement assez rigolos, mais pas toujours. Le mal, curieux à ses heures perdues, décida aussitôt de construire l'un de ces vortex. Mmh.
Allez, bougez-vous un peu. On puisse construire la salle des démons. Bon, j'ai commencé comme ça, au pire. Ils la reconstruiront. Enfin, de toute façon, il manquera des points. Hop. Mais j'ai dessous 1400, c'est pas des masses. Le premier vortex était terminé. Des démons allaient pouvoir y être engagés ou ressuscités en cas de mort ignominieuse. Tout ça pour un peu de mana. Du mana? Mais je n'ai pas de mana. C'est vrai. Ah oui, mais heureusement, c'est exactement ce que produisent les pierres de Géhenne. Quelle habile coïncidence scénaristique. Ouais. Un pile coïncidence scénaristique. Tu appelles ça comme ça, toi? Alors, 1200, c'est peut-être pas beaucoup. Diablotin. C'est toujours celui qui gagnait les compétitions de crachat. Bon, après tout avec Ramius. Les combattants à distance ont de la plus grande portée parmi toutes les créatures. Non, mais j'ai plus de place dans mon armée. Est-ce qu'on peut... En avoir un, ça peut être rigolo. On peut tester. Voilà. J'ai une place pour une naga. Une seule naga. Ça fait pas de bruit. C'est pas grave. Alors. Du tout à quoi servent les ateliers. Du coup je vais enfin à quoi servent les caisses dans les ateliers. Du coup je vais construire un atelier là, parce que s'ils m'en font des ennemis se sont introduits dans le donjon. Si ils m'en font accéder à un. Où est-ce que vous l'emmenez? Le cœur de donjon se fait attaquer. Elle a combien de pourcents de PV là? C'est quoi, c'est 1250 ou c'est 1575%? Je crois que j'ai déjà perdu l'émission ce moment. C'est pas grave. Twitch n'a pas reçu sa paye. Twitch n'est pas content. Twitch a qu'à mieux streamer. Et il recevra sa paye la prochaine fois. Ne pas avoir reçu sa paye alors qu'il y a autant d'argent là, mais c'est pas grave. Ici on a dit un atelier et ça commence à bien faire. Il est temps de sortir. Ah, j'ai toujours pas de naga. Lui il est mort, il va se ressusciter.
c'est ça. Hein. Ou je l'avais dans la main et du coup, vous ne pouvez pas encore ressusciter. Bref. Comment je fais pour avoir des Naga? Des Naga, il va me falloir de la malfaisance. Du coup, il faut que je sorte. Et ce serait bien de sortir avec des orques reposés, quoi. Un peu trop attendu, je pense. Allez, allez, bouge. Parfait. Là, ça fait une deuxième salle au trésor. Deuxième trésorerie. L'araignée a été découvert. J'espère que personne ne souffre d'arachnophobie. Ici, ok. Bon, bah, ça tombe bien. J'ai même pas besoin d'aller les chercher. Donc, tout, c'est peut-être pas tôt le meilleur. C'est pas un vrai tank là, qui est pas à moitié mort. Ok. Efficacité 30%, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi 30%? Faites en sorte que la salle soit entourée par des murs et des portes partout où c'est possible. Ah, j'ai peut-être agrandi la salle sans. Voilà. Ici où ça a été agrandi mais pas amélioré. Où il y a un nid en fait. Sélectionner les unités que je voulais faire. Pas tout cramé. Enfin tout. Ennemis se trouvent dans votre donjon. Voilà, qui viennent de rentrer dans le donjon, là, quelques aventuriers. Ils respectent rien. Talia, tu vas mourir. Ok, bon, j'ai eu plein de morts, je crois. Du coup, ça tombe bien, ça veut dire que ils sont tous en pleine forme, tous ceux qui restent. Toi, tu peux pas. C'est pas grave. Jour de paix. Thank you.
peu de micromanagement, mais ça fait qu'on s'en sort. Une délicieuse malfaisance remplissait le donjon du mal. Elle pouvait être aussitôt utilisée pour un ou deux nouveaux projets de recherche. Ouh. Effectivement, un peu de malfaisance, ça me fait du bien, moi. Construisez une grotte du bricoleur. Atelier, c'est fait. C'est quoi une grotte du bricoleur? J'ai jamais vu ça moi dans le tuto. Grotte du bricoleur, c'est là. Parfait. Nagar. C'est ce que je voulais rechercher depuis un bout de temps. Salle de garde. Alerte, alerte des héros dans le donjon. C'est bon, on a compris. Allez-y les gars, je reste pour préparer le café. Vous pouvez affecter une tour de garde aux créatures dans la salle de garde. Leurs besoins sont assouvis automatiquement pendant qu'elles attendent l'arrivée de l'ennemi. Alors. J'ai des sous. Par contre, je n'ai pas... Ah bah oui, mais le... Que tu peux mourir, toi. Non, en vrai, t'as besoin de mana et j'en ai pas encore, du coup, ça sert à rien. Tu me prends un espace vital pour rien. Vous balayez, j'en ai que ça à faire. Voilà, ça vous apprendra à balayer. Alors vous, l'efficacité 60%. Je sais pas ce que c'est que leur histoire de porte, mais... Si ça peut faire en sorte que ça augmente un petit peu. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. C'est pas mal. Oh, la mort plane sur eux. Le cœur de donjon se fait attaquer. Vite. Ma salle de garde. Par là. Je sais pas quelle taille il faut, mais ça va. Trésorerie. Vous pouvez stocker des PO dans la trésorerie, mais si vous pouvez la construire, même si... Et vous pouvez le construire où vous voulez, il est préférable de partir près d'un filon d'or. Tout peut voler par un héros est perdu à jamais. Ah. Viens directement ici, on pourra retourner se coucher plus vite. Construit dans la salle de garde peut être frappé par la main de la terreur pour stimuler les créatures de garde. Deux par deux tuiles et c'est manuel. C'est-à-dire que c'est pas eux qui vont l'utiliser tout seul. Il faut 4 boîtes.
Ouais, quatre boîtes là. Alors, vos créatures ont mis au jour un nid de dragon par inadvertance. Oh oui, c'est quelle inadvertance? Jour de paix. On va ressortir. Quelques méchants humains du bien et autres nains qui traînent. Et en vérité... je veux au moins qu'il y en a un qui va. Quoique... C'est vrai que maintenant je peux faire des recherches. Il faut que je retourne là-dedans pour dire je veux de Naga. On va attendre les Naga. Soigner un peu tout ça. Et surtout lui en fait. Les ennemis se sont introduits dans le donjon. Super, j'ai pris tout le monde. J'ai pris tout le monde, j'aurais pas dû. Talia, ne meurs pas. Pas mourir. Ça m'arrangerait. Votre cœur de donjon se fait attaquer. Dites-moi ce que je dois faire. Voilà. On va prendre tous ceux qui sont pas trop mal en point et on va sortir avec eux. Voilà. Alors, non, celui-là, puis les deux Naga, évidemment. Lui, il faut au moins deux orques. Je crois qu'il n'y a que ces deux-là qui restent avec Talia, mais ça devrait. Ouais. On ressort, on retourne ici. Qu'est-ce qu'on veut? On veut détruire ces trucs-là, même si c'est les missions secondaires, c'est ce qui nous rapporte de... Les recherches. Du coup, on va faire ça, on va sûrement rentrer.
là. Là, il y avait une trésorerie, c'est bien ce qui me semble. Mais pas vraiment tout de suite. Moi, j'enlève. De nouveaux projets de recherche sont disponibles pour de nouvelles salles. Je l'ai déjà dit, mais il est possible que quelqu'un ne se soit pas lavé les oreilles ce matin. Merci, c'est gentil. Le mâle des sparadraps plein les doigts avait découvert la grotte du bricoleur. Cette salle perfide permettait aux créatures de la Horde de construire des pièges mortels et des portes solides grâce à de vieilles boîtes à outils. Le mâle avait hâte de voir ça. Hé, hey, vise-moi ça! Il y a quelque chose de bizarre par ici. Hélas, une patrouille venait de pénétrer dans la zone des pierres de Géhenne. Il y avait peu de chances qu'elle s'en aille sans combattre. Absolument parfait. Absolument parfait. Minute, c'est moi qui viens de dire ça. Tu n'essaierais pas de me voler mon lucratif contrat de narrateur? Méfie-toi, je sais où est ta voiture. La première pierre de Géhenne est très proche. Je vais bientôt la détruire. Thanos sera fou de rage. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. D'accord, faut absolument faire un... Ah, ils sont où les paresseux? Votre cœur de donjon se fait attaquer. Alors, Machinarium... Non. Les orques blavins peuvent travailler dans la grotte du bricoleur et utiliser les boîtes à outils pour fabriquer des pièges et des portes. Ah d'accord. C'est comme ça qu'on fabrique les pièges et les portes. Alors, ce qu'il me faut, c'est que Talia, tu es là. J'ai besoin de toi dehors. Ici. Pendant ce temps, vous pouvez attaquer en fait. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Que voulez-vous que je fasse? Il y en a peut-être un peu plus que prévu là-dedans. Le cœur de donjon se fait attaquer. Comment ça marche en fait ce truc là, j'ai pas bien compris. Est-ce que je lui ai sauvé la vie ou est-ce qu'il est déjà mort? Paru en haut de chaîne 9 sur 10. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Oui, ben, un ou deux. Hein. J'en ai besoin de deux à l'extérieur et un à l'intérieur, je pense. Quelques gardes élémentaires, pas particulièrement ravis que quelqu'un joue avec les pierres. Ils se tournèrent vers Talia. Bien sûr, le mâle avait l'intention de la défendre à tout prix. Oui ? Talia, qu'est-ce que tu fais ?
Pourquoi te livres-tu de nouveau au mal? Père, je ne sais pas. J'essaie sans cesse d'aller du côté du bien, mais quelque chose en moi... Oh, la ferme, Carpette! Dans un cri, Talia s'effondra. Le mal ne l'avait pas protégé comme il aurait dû. Heureusement, il avait droit à une autre chance. Ah. Bon, j'avoue, j'ai fait n'importe quoi là, j'aurais dû... Tu vois, j'ai affecté le truc sans protection. C'est tout simplement ça, j'aurais pas dû. Protectrice. Alors, ici, je veux... Pote du bricoleur. La salle, elle a augmenté ta capacité depuis que j'ai mis ça. La première grotte du bricoleur était finie et semblait assez solide. Bientôt, les créatures de la Horde allaient s'y assembler volontairement ou sous la menace d'une bonne raclée pour construire des pièges à l'intention des héros. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Le cœur de donjon se fait attaquer. Je crois que je devrais taper là-dessus pour les réveiller ceux qui sont à l'intérieur. Allez, plus vite. Plus vite. Jour de paix. Non, j'ai un peu trop de monde dehors. Enfin, pour le moment, faut ramener tout le monde. Faut ramener tout le monde, il y a trop de défense. Enfin, d'attaque. Laissez Talia mourir. Mais elle pourrait être ressuscitée, moyennant paiement. J'ai pas fait gaffe du coup. J'ai pas fait gaffe. Oula, je me fais déborder en faisant un peu. Pas assez gaffe en fait, tout simplement. Je fais n'importe quoi. Ça devrait aller vu qu'il y a toute mon armée à l'intérieur. Les ennemis se trouvent dans votre donjon. Ah, nouvelle vague. Défendez le cœur de donjon. Bien. Ouais, c'est pas la même chose. Hein. Ah, ils peuvent se mettre. Ok, ils peuvent carrément marcher dans le vide en fait. Je pensais qu'ils peuvent se mettre sur les rebords des escaliers, c'est marrant, mais non, c'est juste qu'ils peuvent marcher dans le vide. Pas bon du tout. Hop.
peuvent utiliser pour produire des pièges et des boîtes. Une boîte et outils de plus peuvent être stockés ici. Ok, là ils sont en train de travailler là-dessus, là aussi. Le mal vient toujours d'en haut. C'est ça en fait, le nombre de couloirs qu'il y a d'ouvert, ça augmente le... Enfin, ça diminue l'efficacité. Qu'est-ce que tu fais? Comment je fais des pièges maintenant? Un piège de sol qui blesse les ennemis qui marchent dessus, déclenché automatiquement. Bon pour l'efficacité de la salle, mais mauvais pour protection. Oula. Bon, les pièges qui s'activent automatiquement, c'est bien dès l'entrée. Voilà. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Allez. Alors c'est les orques et les gobelins. Orques et gobelins. Voilà. Travaillez maintenant. Bon, ça marche. Du coup, je vous ai pas trop montré comment marche le bac. Là, on balance une boîte là-dedans. Est-ce que je peux tourner? Non. On balance les boîtes dedans et on espère que ça fasse quelque chose, c'est ça? Et à la sortie, on a une sorte de piège, je suppose. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. C'est quoi? Kill de piège automatique. D'accord, oui. Mais t'es mort. Jour de paix. Le cœur de donjon se fait attaquer. Ils sont où toute mon armée là? Okay. Toi t'as pas de vie, va te soigner. Le cœur de donjon se fait attaquer. Oh. De tank. Tank. Est-ce que ça veut dire que vous êtes assigné à la troupe de cartes? On dirait. Ça, eux, ils sont énervés. Ok. Alors, lui, il pose un piège. Ok. Donc là on a vu, ils mettent les boîtes dedans et ça fait le piège. Ici ils mettent genre du charbon. Enlève la grosse main. Enlève ta main. Il y a l'atout qui tourne. Et c'est. Et une fois qu'ils ont bien pompé, il y a une caisse qui sort.
Là, peut-être que je mette un ou deux. La construction. Du coup, en fait, c'est assez vite cher là d'entretenir tout le monde. Ça, c'est quoi comme piège? Piège à flèche qui est automatiquement tiré sur tout ennemi à portée de sa zone d'effet. De plus, les parchemins vous donnent accès à trois autres pièges qui rendront la vie des héros difficile et plus courte. Donc ça, c'est ok, ça j'avais vu. Alors du coup, j'ai des pièges à flèche. Est-ce que je peux aussi mettre un piège à flèche à cet endroit-là ou pas? Un petit peu de défense parce que on a du mal à se défendre à chaque fois qu'on est dehors. Toujours en panique. Donc, du coup, ce serait bien que la défense soit propre en automatique tant qu'on n'est pas là. Non, j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'un seul qui travaille là-dessus. Ah, il va vachement plus vite quand je lui donne un petit coup là. Allez, boss! C'est quoi ça déjà? Qualité de la vie. Augmente un peu l'énergie vitale de la créature. Je l'ai donné à Talia ou. Voilà, là, on va voir quelques nouveaux soldats. Donc c'est le moment de tester ces pièges. Enfin, les aventuriers, je voulais dire. J'avais pas vu qu'ils en avaient déjà fait autant. Les ennemis se trouvent dans votre donjon. Ouais. On peut aussi en mettre ici, du coup. Qui sont attirés. Ah bah voilà, là j'ai de la main. Tac, tac. Mais j'ai plus de sous. Talia. 1, 2. Séjour de paix. Une naga. 2 tanks. Voilà. On va voir qu'est-ce que ça fait tout ça. Mais il y a votre amie qui est coincée dans l'ascenseur et ça fait une heure qu'elle joue de la trompette. 1, 2, 3. Ouais, ça a l'air bien. C'est une bonne force, on va dire, d'attaque. Ou de défense. On va attaquer ici d'abord. Parce qu'ils vont sûrement m'attaquer, moi, pour l'instant. Moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai tous ces pièges. Et qui est-ce qui reste à l'intérieur? Est-ce que je peux savoir facilement combien de personnes restent à l'intérieur? Combien sont dehors? Je
suppose que ça, les murs, ça veut dire qu'ils sont dedans. Donc j'ai juste deux gobelins et un orc. C'est pas beaucoup. Déjà, je voulais une nugget de plus. On va faire un orc de plus et un gobelin de plus. Allez, la naga, c'est pas grave si elle est à l'intérieur. Celle de chaque côté devrait s'en sortir. Ne te relève pas. Je suis un peu trop porté sur soigner. Trois archères, un apprenti et une prêtresse. Forcément, il n'y a personne dans la salle. Oula, du coup, je vois plus rien. Lui. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Qui avait déjà attaqué Talia, apparurent une fois de plus. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Talia, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi te livres-tu de nouveau au mal? Père, je ne sais pas. J'essaie sans cesse d'aller du côté du bien, mais quelque chose en moi... Oh, la ferme, Carpette! Thanos, toi et tes sbires, vous m'avez toujours prise de haut. Grimli m'a toujours insulté sans que tu me défendes. C'est de ta faute! Ce n'est pas vrai, mon enfant. Cherche au fond de ton cœur. Tu y trouveras une étincelle de bonté. Laisse-la te guider au lieu de... Oups! J'ai accidentellement débranché un câble. Malheureusement, Thanos n'était plus en mesure de continuer à parler à Talia. Quelle tristesse! Inébranlable, Talia continuait de travailler à rompre le sceau de la pierre. Hein? Quoi? Ah oui, bien sûr. Ah! Bientôt, le sceau sera brisé! Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Le sceau est brisé! Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Que la déesse me protège! Tu es toujours là? Oh, sérieusement, tu ne veux pas aller soigner des lépreux ou un truc comme ça? Tandis que Talia perdait de nouveau du temps à s'enguirlander elle-même, le sceau fut totalement brisé. Plusieurs portails vers un monde étrange s'ouvrirent dans le donjon. Aussitôt, surgirent quelques démons, particulièrement remontés et prêts à servir le mal qui les libérait de leur exil. Les pierres de Géhenne contenaient une magie brutale et puissante, qui fournissait du mana au donjon et se montrait dangereuse. Comme le mal était loin, il s'en moquait, et la magie était seulement censée affecter les héros. Avec la patience d'un renard, le mal attendait maintenant des héros. Il avait hâte de tester sa terrible magie contre des aventuriers qui, il faut bien le dire, ne valaient pas plus cher que des cobayes de laboratoire. Donc la trésorerie, on a fini le filon.
Jour de paye. Il faudra faire tout ça pour que la trésorerie soit contente en fait. Or insuffisant, d'accord. Ah, comment on fait pour désactiver tout ça vite? Non. Par contre, au moins... Trésor... Non? Ah oui, parce que du coup, tout ça, c'est par terre. Où les gens, là. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Défendez le cœur de donjon. Déjà ? Mais il devrait s'en sortir en général. Non, c'est bon, je les voyais pas. Je vais dire, ça manque de gobelins. Hasta la vista, baby. Rien ne peut arrêter le mal. C'est à l'intérieur qu'il y a la péri. La méga. J'ai pas de sous. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Il travaille là-dedans ou pas? Je comprends pas s'il faut que j'en sélectionne un, genre lui, et que je lui dise va travailler quoi. Et que après je pense à ne plus jamais le reprendre pour qu'il bosse. Que c'est ça et que je ne sais pas. Ce que je veux, c'est un peu plus de pièges. Ce que je veux, c'est utiliser tous mes points de recherche. Non, j'ai pas de sous. Je détruirai cette terre. Les
peuvent porter qu'un seul manuscrit, on va dire, à la fois. C'est quoi ça, magie de destruction? J'avais pas vu. Non seulement les pierres de Gehen ont un nom qui déchire, mais en plus, elles constituent une puissante énergie magique grâce à laquelle vous pouvez concevoir des sorts destructeurs. Amusez-vous bien. Chaque pierre de Gehen génère du mana pour vous jusqu'à un maximum donné. Cette action vous permet d'utiliser le mana pour blesser ou tuer vos ennemis avec un sort d'éclair. Je sais que clic gauche pour sélectionner une cible qui n'est pas cachée par le brouillard de guerre et confirmer avec lui. Les pierres de Gehen n'étaient toujours pas rechargées. Se sont introduits dans le donjon. Tac, tac. Ah non, c'est que je l'ai pas encore. Le cœur de donjon se fait attaquer. Oh, Jude. En fait, ils ont remplacé les têtes des humains par têtes de gobelins. Les ennemis se sont introduits dans le donjon. En fait, mettre les lits proches, c'est peut-être un peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On a dit... Ah oui, clic gauche, ok. Et ici, il y a une trésorerie. Il n'y a peut-être pas besoin de prendre toute la place, mais... Voilà. Ah, lui, il est bientôt fini de se régénérer, le plus pas du tout. Toi, t'as fini de te régénérer. Je ne suis pas contre t'avoir à l'extérieur. Quand est-ce que j'aurai droit à un Noël normal, moi? Je veux la tête de Thanos. Les gardes s'éveillèrent à la vie et attaquèrent Talia. Dans sa grande sagesse, le mal avait prévu ce désagrément et s'y était préparé. Enfin, j'espère. À la première fois, non, mais cette fois, oui, je me suis préparé. Plutôt bien d'ailleurs, normalement. Le nombre de temps que j'ai passé à défendre mon château. Talia, je t'en prie, arrête. Reviens vers la lumière. Il m'a fallu des années de labeur et j'ai dû recharger plusieurs fois ma partie. Pour réussir à bannir ces démons. Père, n'importe quoi. J'essaie, mais le mal, il est si puissant. Combat-le, mon enfant.
N'oublie pas que ce fumier t'a gardé enfermé dans un endroit appelé la bibliothèque tonique. Ce qui en soi est un crime contre l'intelligence. Et son meilleur ami est un nain qui déteste les elfes. Je sais que le narrateur devrait être neutre et rester en dehors de l'histoire. Mais ce type me tape sur les nerfs, alors même qu'il est à des milliers de kilomètres. C'est vrai. Tu n'es pas mon père. Tu as profité de moi. Tu prétends être un honnête serviteur du bien. Et tu as laissé les autres se moquer de moi et m'insulter. J'en ai fini avec toi. Dès que Talia eut retrouvé sa vraie nature, elle ignora Thanos et recommença à s'occuper des pierres. Par ici, créature du mal, suivez-moi. Lui, déjà encore trop loin. C'est tellement facile pour eux, du coup. Bon. Ah, il y a le timer. Ok. C'est quoi ça? Je sais pas. Ça y est! Le sceau est brisé! Talia s'était emparée d'une nouvelle pierre de Géhenne. Cette fois, en nous épargnant un dialogue plein de clichés avec sa deuxième personnalité. À ce propos, j'étais sur le point de... Mais ferme-la à la fin. Bon, où en étais-je? Ah oui. Une fois de plus, un grand jet de mana jaillit dans le ciel, et un portail s'ouvrit. Il faut croire que les démons n'ont rien de mieux à faire que d'attendre toute la journée devant des portails fermés, car ils surgirent aussitôt. Comme toujours, dans les excellents jeux qui n'ont pas peur des répétitions, il y avait une troisième pierre à prendre. Talia était déjà en route. On va agrandir un peu la salle. Cœur de donjon se fait attaquer. En fait. Ok, on peut faire ça aussi. C'est quoi? Bonus de coup critique normal, améliore un peu les chances de coup critique de la créature. Non, on peut pas. Le bien périra! De GN palpitait de magie. Leur sort était de nouveau disponible. Oh, ils se sont transformés en nombre. Les eux, du mal absolu venaient de découvrir une nouvelle salle. Oh, plein de cœur. De caisse d'atelier. Par contre, j'ai des dégâts infligés par la créature. Je détruirai cette terre. Oui. Joyeux Noël, les amis. Je sais pas trop où sort de saison. Tant mieux.
qui fait tout ce bruit? Des chanteurs qui vont donner rendez-vous dans le donjon? On parle de chanteurs, non? S'il n'y avait pas une histoire de... histoire de personne qui venait de rentrer, d'aventurier qui venait de rentrer dans le donjon. C'est comme ça qu'on pense. Qu'est-ce que ça? Si je me demandais ce que c'était, mais en fait ça doit être les... Un moment quand j'ai augmenté Talia, elle a eu un petit message sous elle. Et j'ai pas pris le temps de lire. Je suis invincible! Enfin, presque. La troisième pierre de Géhenne était toute proche. Pour la troisième fois, les gardes se dressèrent pour empêcher Talia de s'emparer de la pierre. On a du mal à le croire, hein? Oui, beaucoup, beaucoup de mal. C'est tellement imprévisible. Tiens, toi, tu veux faire des coups critiques. Talia, je t'en supplie. Quoi? Encore vous? Ça fait déjà la troisième fois. Vous êtes soldé si on vous achète en pack? Fermez-la et laissez-nous avancer dans ce jeu. Ça suffit. Elle ne reviendra plus de votre côté, c'est clair, oui ou non? Je suis même sûr que dans une quinzaine de missions, elle va vous rosser comme une vieille carte. Mais je suis... Seigneur, vous n'arrêtez jamais, hein? Talia, donne-moi un coup de main, tu veux bien? La ferme, Thanos. Je peux dire quelque chose? Non! C'est... Humour un peu merdique. C'est pas grave, c'est... j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Oui, ils ont un peu faim. C'est pas la première fois d'ailleurs. Allez. Boss. Boss. Tous les gobelins sont morts, je crois, dehors. Heureusement qu'il n'y a pas de pingouins cette année. Enfin, non, ce sale bête. Le dernier sceau est brisé. Mort à tout ce qui est bon! Vive le mal dehors! Vive le mal dedans! Talia avait en effet conquis une autre des pierres de Géhenne. En conséquence, mana dans le ciel, démons jaillissant du portail, bla bla bla. Il ne restait plus qu'une pierre de Géhenne à récupérer. Effectivement. Minute. On avait dit trois pierres. Et j'ai déjà récupéré trois pierres. Non, dans le cahier des charges, les développeurs ont laissé entendre... C'est faux. Vous avez dit que dans tous les bons jeux vidéo, il y avait trois buts. Oui, dans les bons jeux vidéo. Ah, évidemment. J'ai rien à répondre à ça. Bon, bah, quatrième pierre, alors. Adieu les RTT. Adieu les RTT, quoi. Ma meuf, c'est une génie du mal, mais non, adieu les RTT, je pense à ça. Allez, bossez là, les grouillots. Euh...
Ouh, j'ai oublié de... d'améliorer cette salle. Je vais agrandir. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Que quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ok. Là, tout d'un coup, il y a trois nouveaux qui sont apparus. Comment ça t'as décidé de faire grève, vieux ? Talia, je vais essayer une dernière fois de te faire retrouver la raison. Arrête de faire ce que tu fais et reviens vers le bien. Ensemble, nous chasserons le mal de la surface de la Terre. Père, je... Jamais! Je serai la reine du mal, et je détruirai tout ce qui est bon! Eh bien voilà qui met un terme à cette petite dispute. Il est temps de prendre la dernière pierre. Malheureusement, de gros rochers bloquaient la route vers la quatrième pierre, et il fallait les déblayer. Tous les moyens sont bons aux développeurs pour doper la durée de vie du jeu, pas vrai? On reconnaît les vrais. Surtout que le gars il se bat même pas. Ce tas de rochers posait plus de problèmes que prévu. Et, hein? Qu'est-ce que... Grand truc en pierre, voilà le nom. Mes enfants sont tous morts. Tu verras tout ça. Je vais te détruire. Bon, je n'avais pas anticipé ça. Heureusement, le mal savait que ce genre de truc risquait d'arriver, et il se rua au combat parfaitement préparé. En tout cas, je croise les doigts. Ce qui m'embête un peu plus, c'est si on m'attaque. Là, je crois que j'ai plus grand monde à l'intérieur. C'est jour de paix. La magie des pierres de GN était de nouveau prête pour une attaque mortelle. Le géant de pierre s'effondra avec grand fracas sur le sol. Le mal avait triomphé. Ça donne soif. Après la pierre qui roule, une petite pousse. Oui, oui, non, c'est pas ça le proverbe, mais c'est pas grave. On va dire que c'était ça. À présent, s'emparer de la quatrième pierre n'était qu'un jeu d'enfant. Si facile en fait, on va faire ça en cinématique pendant que vous vous tournez les pouces. Tous les sceaux étaient maintenant brisés. Les démons n'avaient plus qu'une hâte, déchaîner sur le monde le chaos,
la destruction et le kawaii métal. Grimli était toujours à la recherche de l'elfe noir et des maléfices qui l'accompagnaient. Elle, de son côté, s'était dressée contre son père Thanos et luttait contre les forces du bien. Quand les espions du bien, saisis d'effroi, découvrirent que les pierres de Géhenne avaient été détruites, l'armée du mal était déjà loin. Bon, au moins c'est fait. J'étais un peu plus long que les autres, j'ai pris beaucoup de temps parce que j'avais mal préparé mes défenses, tout ça. Pas pris assez de soldats, mais maintenant, je pourrais directement faire des pièges avant de sortir, avant de, que l'aventure n'avance. Enfin, peut-être pas avant, parce que s'ils nous refont démarrer de zéro à chaque fois, bref. Normalement, je devrais mieux splitter. Mieux splitter mes unités et tout ça. Bref. Sur ce, je pense que là, il va nous mettre directement voilà, le texte de la prochaine mission. On va éviter de trop se casser les oreilles avec ça. Je vous dis, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me dire ça avec les pouces vers le haut, vers le bas. Des commentaires surtout, c'est un peu plus clair que les pouces. Hein, voilà, c'est mieux de me dire, voilà, j'aurais aimé que tu parles un peu plus, ou j'aurais aimé que je ne sais quoi. C'est plus simple que de dire un pouce vers le bas, et moi je comprends pas exactement pourquoi tu n'aimes pas, ou pourquoi tu aimes. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.